La quatrième étape du Tour de France 1992 était un contre-la-montre par équipe de 63,5 km en Gironde, autour de Libourne. Un parcours plat avec quelques faux plats montants et descendants, de grandes lignes droites, une affaire de spécialistes. On va pouvoir juger les forces en présence au niveau des équipes des favoris au classement général. Malgré la domination sur tous les temps intermédiaires à Galcon et à Lagorce de la formation Carrera, eh bien l'équipe Panasonic va accélérer dans les 5 derniers kilomètres pour remporter ce contre-la-montre par équipe. Une équipe composée de Fondriest, Goumann, Ekimov, Ludwig, Nelissen, Nelens, Sergent, Van Lanker et Zdanov. Cette équipe va donc remporter ce contre-la-montre par équipe à Libourne avec un temps de 1h13 minutes et 15 secondes. Elle va le devancer de 7 secondes. L'équipe de Capucci, Abdou Japarov et Stephen Roche, la formation Carrera, qui termine donc deuxième à 7 secondes. La troisième place pour notre équipe italienne, la Gatorade de Bugno, Pignon et De Wolf, troisième à 21 secondes de la formation Panasonic, devant l'équipe Z de Lemon, quatrième à 4 secondes. La Banesto d'Indurain finit septième à 50 secondes, tandis que la RMO de Virenque Motellino termine 13e à 1,45. Ce qui permet à Pascalino de garder le maillot jaune devant Virenque, Bugno, Capucci, Roche et Indurain. Ciao tout le monde.